Voilà tout le monde, c'est Aladin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on a réalisé ces 100 mètres carrés de parement en pierre naturelle. Vous verrez les couvertines, les joints et je vais également vous amener faire un tour dans les carrières pour vous montrer comment on fabrique ces pierres justement. Aujourd'hui, on est le 20 octobre 2023. J'ai Granier Diffusion, qui est mon nouveau partenaire, vient me livrer ici toutes les pierres de parement qui vont vous servir à habiller le mur, ainsi que les couvertines et la colle à carrelage. Le déchargement est terminé. On a mis du coup une palette ici. On a mis les trois autres palettes ici, plus proche de ce mur là. Avec ici les couvertines, elles sont magnifiques. On a ici les deux gouttes d'eau à chaque fois pour éviter de salir le mur. Le chauffeur m'a tout de suite conseillé ici de dépalettiser la colle. Je range tout directement à l'atelier là-bas. Je mets ça au propre et au moins il n'y aura pas d'humidité sur la colle. Donc ces pierres là, ce sont des pierres de calcaire. Et la référence chez mon fournisseur Granier Diffusion s'appelle Rockface 7. Et vous voyez qu'il y a plusieurs teintes de pierre et c'est vraiment ce qu'on a aimé. Il y a différentes épaisseurs. Regardez ça, c'est super fin. Or que ça, ça va être beaucoup plus épais. Là, on est sur au moins 3 cm d'épaisseur. Et c'est justement cette différence d'épaisseur qui va faire le mur en relief. Concernant les couvertines ici, ah bah tiens, ils ont mis mon nom, Aladin, 27 unités. Elles font 1 mètre de long, 30 cm de large, 3 cm d'épaisseur et à marquer 2 gouttes d'eau. Ayant réalisé un film corporate justement pour l'entreprise Granier Diffusion, j'ai pu avoir la chance de visiter leur carrière. Ici, par exemple, on est à la carrière d'Hérault 6 dans le 34, c'est dans l'Hérault. C'est là-bas qu'on récupère toutes les pierres qui s'appellent le gneiss du carreau. C'est la pierre qui me sert, moi, de couvertine. On peut voir sur place qu'il y a encore quelques tailleurs de pierre qui font ça toute la journée, toute l'année, à la main. Vraiment, chapeau à eux. C'était vraiment impressionnant de les voir extraire ces pierres avec ces énormes engins. Je vous emmène ensuite à la carrière de Sainte-Eulalie dans l'Aveyron pour le calcaire du Cos. C'est cette pierre blanche que vous voyez. Le siège social, lui, est à Lacône, dans le Tarn, et c'est justement là-bas qu'on va exploiter les pierres, les scier, les refendre, les polir, bref, créer le produit et voir tout ça, c'était super intéressant pour moi. De toute façon, vous le savez, moi, dès que je vois des gros outils ou que je vois des artisans travailler, j'adore. Et on va terminer par un petit tour dans leur showroom d'Albi. Ils l'ont terminé cet été. Et on peut voir vraiment tout ce qu'ils créent pour l'aménagement paysager. C'est fou de se dire qu'ils ont toutes ces références. Quand on se balade là-bas, c'est simple, on a envie de tout faire à la maison. Bref, c'est une entreprise française avec du savoir-faire français. Et ça, il faut le mettre en avant. Elle est toute contente, ça y est, elle a une tenue de travail. Pantalon et chaussures de sécu. Allez, c'est parti, on démarre. On va poser la première pierre. Pour ça, double encollage, on peigne le mur et ensuite on beurre le dos de la pierre. On va se mettre par-dessus la gaine et ensuite on viendra jointer directement sur la gaine. Tac. Bon, on a quand même une malédiction hein, dès qu'on se met à faire de la maçonnerie. Je sais pas ce qui se passe. Il pleut tout le temps. Pour l'instant, ça va, on est sous l'abri moto. Je vous le dis encore une fois, c'est pas un tuto, hein, c'est pas du tout mon travail, je fais juste ça pour vous donner mes petites astuces. Quand je vois que la bande est comme ça, là on peut dire que j'ai chargé comme il fallait. Ça c'est du manque, ça c'est bon. Et ensuite, on essaye de faire correspondre le mieux possible, hein. Ici. Allez, vendu. Je prends un petit maillet et là je tape dessus. J'essaie de faire déborder un peu la colle partout. Et là c'est bon, elle est en place. Nous, on va faire une pause avec joint le plus petit possible, mais on n'a pas le temps de faire une pause sans joint, sinon sur 100 mètres carrés, là, on en a pour des mois. Il y a deux méthodes de pause, il y a pause avec joint et pause sans joint. La pause sans joint, c'est vraiment un enfer, c'est magnifique, mais par contre, ça prendra énormément de temps. Donc nous, on a décidé de faire une pause avec joint, mais un petit joint, maximum de la taille d'un doigt. On met à peu près ça comme taille de joint, donc on essaie quand même de faire correspondre évidemment les pierres. Et si on n'y arrive pas, on prend une pierre, on la casse en plein de petits morceaux, et on essaie de mettre des petits triangles, des petits morceaux. Avec madame, on appelle ça comment? Les petits morceaux? Les pignoufs. Les pignoufs, voilà, elle appelle ça les pignoufs. Je vous montre des exemples de pignoufs. Ça, c'est un pignouf, par exemple. Ça, c'est des cales qu'on a mis hier pour éviter que la pierre, tellement elle est lourde, des fois, elle a envie de glisser. Donc, on se met ces petites calounettes et on les récupère. Et on s'est fait un saut à pignouf. Voilà ce qu'on a fait hier. Donc, on a habillé le coffret électrique là-bas. Ici, on a fait le tour de la boîte aux lettres. On a essayé de choisir des jolies pierres ici. On a même fait le dessus. Même la gaine électrique, à la fin, on ne verra plus du tout cette gaine-là qui est entre les pierres. On va faire ce retour-là. Et ensuite, on va basculer. On a commencé par l'intérieur pour choper le coup et être sûr de ne pas faire de bêtises. En tout cas, si on faisait des bêtises, on les aurait fait du côté où ça se voit pas trop. Donc, maintenant qu'on a bien chopé le coup, c'est bon, on bascule dehors. Thank you.
voyez, j'ai disqué, mais j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai fait les trois quarts de la pierre. Et maintenant, je mets un petit coup de marteau ici. Hop. Et au moins, j'ai ce bord ici qui a été créé naturellement et non pas le côté ici super lisse. Ce qui fait qu'ensuite, quand je vais la mettre en place, vu d'ici, on verra le côté qui a été cassé naturellement. Et ensuite, ici à l'intérieur, de toute façon, il y aura du joint. Des fois, entre les pierres, regardez, il y a encore des petits vides. C'est à ce moment-là qu'entrent en jeu les petits pignoufs. Ensuite, concernant le boudin qui déborde, si jamais il ne monte pas trop haut, c'est pas grave. Du moment que nous, après, on a la place de mettre notre joint à l'intérieur, c'est l'essentiel. Il y a des moments où on trouve une super pierre, par exemple comme celle-ci, qui va bien épouser ici à droite, en dessous. Et à gauche, malheureusement, ça rentre en conflit avec la pierre d'avant. On peut prendre soit la tenaille ici, quand c'est quelque chose de super fin à couper, soit, regardez, je prends le marteau. Là, par exemple, j'ai envie d'enlever un peu ici. Je me mets en appui ici. Là, je vais utiliser le petit côté du marteau. Là, je la présente. Et hop, ça y est. Maintenant, elle passe à plus rétigène. Donc là, au moins, vous avez pu voir toutes les techniques différentes pour que les pierres rentrent bien les unes par rapport aux autres. Donc ça peut être la meuleuse, la tenaille, le petit coup de marteau. On laisse parler sa créativité. Je vous montre un peu notre avancée en un week-end. On est venu ici par-dessus le coffret. Ici, on a fait tout le local poubelle. On a fini les piliers ici. On a également fait l'intérieur. Donc ça, simplement entre vendredi soir, samedi et dimanche. Aujourd'hui, on est le lundi 23 octobre. Moi, je devais retourner faire du montage. Et madame, elle a fait ça toute seule aujourd'hui. Très, très bien joué. Du coup, là, on est le soir. Je l'ai rejoint. Je rattrape un peu le petit décalage qu'il y avait ici entre mon seuil à moi et le mur qui est décollé. On va se faire chier si jamais je rattrape pas ça. Je le fais avec un peu de ciment qui me restait. Allez, il est temps maintenant de placer les couvertines. Donc là, on est sur le dessous. On voit ici les deux gouttes d'eau. La face ici, elle est lisse parce qu'elle a été coupée forcément avec un disque. Et donc, la finition est top. Mais nous, on cherche à avoir cette finition ici qui est beaucoup plus jolie, beaucoup plus texturée. Là, comme vous voyez sur ce muret, il y a différents angles. Donc on va devoir faire des coupes. Il me suffit de m'aligner sur ce parpaing là. Donc là, je divise les 138 degrés par 2, ça me fait 69 degrés. On prend la mesure ici, on fait en sorte que la couvertine dépasse un peu du muret. Donc là, j'ai envie qu'elle dépasse de 2 cm. Là, je prends la fin de mon angle. La fin de mon angle arrive à 87 cm. Je prends mon 87 cm ici comme repère. Parfait, 69,1. Je fais mon tracé. Je m'apprête à terminer les découpes des couvertines. Je suis bien content d'avoir réussi ici mes encoches pour caler en plus mes pattes de fixation qui servaient pour l'abri moto. Donc ça tombe super bien. Ici, j'aurais pu choisir la facilité, aller jusqu'au bout du muret et couper tout droit. Si je coupe tout droit, je perds ma goutte d'eau. Donc on fait la petite coupe à 45. Et avec la prochaine, on repart comme ça. Là, je suis en train de mettre en place toutes les couvertines. Finalement, je me rends compte que ça m'aide qu'elles soient installées avant plutôt que après. J'avais un doute, les deux se font, mais au final, je suis plus tranquille comme ça. Je laisse toujours déborder ici de 4-5 cm. Et donc, j'ai décidé de partir avec une entière ici à la fin de chaque marche et finir avec une coupe. J'avais le choix, j'hésitais. Est-ce que je pars avec une entière? Je fais ma coupe ici, mais je trouve ça beaucoup plus logique de partir avec une entière ici. Pour ce qui est de la mise en place, c'est logique, la couvertine fait 32 large, un parpaing ça fait 20. J'ai donc pris mon écart à combinaison, je me suis mis sur 5 cm. Et du coup, c'est super simple pour moi de régler à chaque fois ma couvertine, qu'elle soit parfaitement parallèle. Évidemment, je contrôle le niveau dans les deux sens, dans ce sens-là ainsi que dans ce sens-là. Et je prends même ma règle à la fin pour être sûr que tout est bien aligné. Et j'aligne évidemment également sur cette longueur-là. C'est nickel. Et pour m'assurer d'avoir toujours le même espacement entre chaque couvertine, pour avoir le bon joint ici, j'utilise ce fer plat de 6 mm qu'à chaque fois je suis venu caler ici. C'est très rapide à faire et on est sûr d'avoir toujours la même distance entre chaque couvertine. Allez, aujourd'hui c'est à peu près le 9e jour pour le muret. Et aujourd'hui j'ai un invité de marque qui vient m'aider avec moi.
Paul juste ici. T'es pas venu avec la Mégane Berber, t'as assis dessus quoi. Franchement, pour venir jusqu'à chez toi, j'étais pas sûr qu'elle tienne. Voilà, donc il va m'aider. J'avais aussi besoin de lui, ce petit conseil en motorisation de portail, parce qu'il aime bien cramer des cartes. Ouais, j'aime bien. Pour pas perdre de temps, j'en crame quelques-unes et au moins je sais faire après. Voilà. Si tu veux, je peux faire ton installation. Maintenant, il est opérationnel pour ça. Donc j'ai envoyé du 220 direction le moteur. Et du coup, j'ai éclaté la carte électronique du moteur qui a fait. Bon, au moment où on devait s'y mettre, il flotte, la caméra est trempée. T'enverrai quelques rushs. Ouais, elle est tropicalisée, donc ça va le faire, je m'inquiète pas, mais je crois que je suis un éternel maudit avec les travaux extérieurs. On essaie de travailler propre au niveau des couteaux, de pas les laisser tomber dans la colle, de foutre de la colle sur les couteaux en eux-mêmes. Qu'est-ce que t'en penses alors de la difficulté ou de la pénibilité de staff, ça va? Franchement ça va. Je suis content que tu m'aies invité pour faire ça. C'est et vrai. Pas pour faire les joints. Ouais, les joints ça va être un peu plus relou. Bon, encore okay. Je dis ça, franchement les joints, si t'es deux, tu discutes, t'envoies le steak, c'est pas pareil. C'est, on vient de finir la première ligne en bas. On voit qu'il commence à y prendre goût parce que ça y est là, il commence à être content quand il trouve des pierres qui rentrent. Des pierres qui rentrent bien dans l'autre. Là. Ça c'est les petites satisfactions. Tu l'avais présenté, yes, comme ça. Pas mal là. Parfait. Pour la venue. Merci beaucoup. Il a super bien bossé, du coup il mérite de bien manger. Qu'est-ce que t'en penses du mur? C'est trop beau, mec. C'est gentil. Mais c'est vrai que c'est tellement beau que genre je pourrais laisser 3 ans comme ça sans faire les jouets. Vu que c'est beau, je mets pas les yeux dessus, tu vois. Tu te dis, y a pas l'aspect pas fini tout de suite. Ouais, grave. C'est trop beau, j'ai envie de faire ça chez moi. Bah écoute. Tu saoules. Elle va voir ça, Deb, elle va dire, ah vas-y. Ah, c'est sûr, mais c'est vrai, tu rigoles, c'est sûr. C'était vraiment agréable de passer cette petite journée avec Paul que j'ai rencontré au salon Max Outils. On a parlé de plein de choses, évidemment, de bricolage avec tous les futurs projets qui vont arriver dans sa grange. Je vous invite vraiment à aller voir ses réseaux avec sa chérie, ils ont fait quelque chose de magnifique. On a pu également parler d'entrepreneuriat, de YouTube, et ça fait toujours plaisir de rencontrer ce genre de personnes en vrai, pas seulement sur les réseaux. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de bosser comme ça, franchement c'était top. Ça y est, fin de journée pour nous. Fin de ventre. T'es fit déjà. Je suis fit, ouais. fit, fat. On a quand même bien avancé, grand. On a fait tout ça aujourd'hui. C'est une machine, franchement il envoie. Hein. C'est lui qui m'a dit, allez c'est bon, stop la pause déjeuner. Et tu m'as dit, allez on y retourne. En même temps, je suis pas resté trop longtemps, je voulais t'aider. C'est quoi. Vraiment le genre de pote qui te dit, viens t'aider, mais il vient pas pour la bière. Non, je reviendrai pour que la bière, par contre. Avec grand plaisir. Ça oui. Tu seras le bienvenu. Et je ferai pas de travaux. T'as aimé le résultat? Nous, on hésitait, je vous raconte du coup, à faire ça sous notre pergola. C'est une dinguerie. Et du coup, on va le faire, je vous le dis, on va le faire et on va le faire dans la salle de bain, je pense. Ce que j'aime dans ces travaux-là, c'est que tu peux le faire mal. Ouais. Ça se voit pas. Ça se voit pas. En fait, presque il faut le faire mal, j'exagère, mais c'est pas comme un carrelage où il faut les joints parfaits. Millimètres de niveau, ouais. Incroyable. Pendant ce temps-là, madame, elle a avancé déjà sur l'intérieur. Bien joué, bébé. Bon, merci beaucoup, Paul. Merci à toi, tu rigoles ou pas? C'était trop kiffant. J'aime trop échanger, venir donner un coup de pouce comme ça. Ouais. Parce que quand je mange entrecôte. C'est la base, il faut bien recevoir. Petit verre de vin. Je suis super content et j'ai hâte, moi, de découvrir ce que tu vas me faire faire aussi. T'inquiète. Chez toi. Parce que le but, c'est que moi, j'aille aussi chez lui bosser un peu. Voilà, on va le mettre à petits oignons. Merci en tout cas. Et si vous vous demandez comment je trouve le temps de encore bosser pour mes clients, parce que forcément, c'est eux qui me font vivre, et en même temps, envoyer à fond sur les travaux, j'ai mon arme secrète, c'est ma petite femme qui continue à poser les pierres alors qu'il pleut dehors. Il fait froid, il fait humide, ça donne vraiment pas envie et elle y va quand même, c'est la super héroïne. Petit accessoire qui fait la diff. On s'est fait une petite plaque signalétique ici d'une marque italienne qui s'appelle Numberfix. C'est pas une collab et franchement la qualité est super. Ça a été découpé au laser très proprement. C'est posé derrière sur un plexiglas juste ici là. Normalement on doit d'abord faire les joints mais bon madame n'a pas envie d'attendre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'installer. Ici dans les petits trous on a des caches qui viennent se mettre après pour cacher les vis. Je vais pas mettre les caches tout de suite justement pour pouvoir dévisser la plaque avant de faire les joints. Ensuite, derrière, je me mets ces petites entretoises ici. C'est des grosses rondelles en plastique noir. Ça, je l'avais en installant un support TV mural. Et je viens le mettre derrière pour déporter légèrement la plaque du mur. Ça donne du relief, c'est beaucoup plus joli comme ça.
Ça y est, la plaque est installée. Du coup, j'ai finalement augmenté la taille des rondelles derrière pour vraiment décoller la plaque du mur. Et là, ça fait top. On voit vraiment les ombrages des lettres et des chiffres sur le mur derrière. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Et j'ai mis des vis noires en attendant de mettre les caches. C'est encore plus discret. En tout cas, je trouve ça vraiment classe. Allez, maintenant que le collage du parement est terminé, on va passer au jointoiement. Et donc, pour ça, j'ai pris chez Leroy Merlin le mortier de jointoiement, toute largeur, ton pierre. Donc, celui-là, il fait jusqu'à 5 mètres carrés. On va voir la consommation exacte. Pour la mise en œuvre, on va utiliser la technique de la poche à douille. Donc, on remplit la poche à douille de mortier et ensuite on remplit tous les trous entre les pierres. On vient lisser avec la langue de chat et le fer à joint. On attend que ça prenne un peu et ensuite on vient brosser ici avec la brosse métallique. On va voir aussi à l'éponge s'il y a besoin. On va tester, mais en gros, de tout ce que j'ai vu moi sur internet jusqu'à maintenant, j'ai vu que les personnes faisaient comme ça. On va voir la vitesse à laquelle on avance. En fait, une fois qu'on a trouvé la bonne consistance de joint, ça va quand même assez vite. Au début, on la faisait un peu trop dur, ça galérait à sortir de la poche à douille. Au final, il n'y a pas besoin d'exercer une grosse pression normalement, ça sort vraiment tout seul. Donc là, on fait des gros boudins, c'est pas très grave. On viendra lisser tout ça après. L'essentiel, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de manque. Et vous voyez, elle a déjà fait tout ça toute seule, assez rapidement, en même pas une heure déjà. C'est cool. Hâte de voir vraiment la fin, mais déjà, vous pouvez voir la méthodologie, ça va quand même assez vite. Et les joints à l'extérieur sont terminés. C'est canon. On a également fait les pylônes. Enfin, je dis on, mais c'est toujours la même. Hein. C'est madame qui fait tout ça. Moi, je suis en train de préparer le grand portail en acier qui arrivera bientôt. Ça y est, on en est à la dernière étape de cette vidéo sur le muret. Là, je vous montre les prémices de la prochaine vidéo qui va être sur le portail. L'étape maintenant, c'est de faire les joints des couvertines. Donc, pour ça, on est parti sur un gris moyen fait pour l'extérieur. Et donc, le but, c'est vraiment de charger à fond à l'intérieur du joint. Derrière, avec sa main, elle a une autre spatule pour tenir, faire en sorte que ça tombe pas. Là, en même pas une heure, elle a déjà fait une quinzaine de mètres. Faut pas se laisser avoir avec les temps de séchage. Bon, ça va, en ce moment, il fait pas trop chaud, donc ça sèche pas super vite. On peut faire 5-6 couvertines, mais par exemple, en été, vous en faites à peine 2-3 et il faut déjà revenir à la première pour nettoyer. Elle fait ça comme une chef. Dites-vous que les joints, je les ai pas touchés une seule fois. Et regardez, ce que j'aime beaucoup, c'est le changement de couleur également des pierres et des couvertines quand il pleut. Une fois que c'est mouillé, ça fonce un peu. J'adore. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres. Alors ici, on avait 100 mètres carrés de surface à couvrir. Le parement pierre Rockface 7 est à 28,90€ le mètre carré. Fois 100, ça fait 2 900€ de parement pierre. Les couvertines sont à 47,88€ le mètre linéaire. Il y en a 27 exactement, ça fait 1 300€ de couvertine. Concernant la colle, on a utilisé 32 sacs, ça fait 700€ de colle. Pour les joints, on a utilisé 20 sacs de joints. Ça fait 300€ de joint. J'imagine bien que si on avait fait nous-mêmes notre joint avec du sable, etc., qu'on aurait tamisé avec de la chaux, ça serait sûrement revenu moins cher que 300€. Mais là, au moins, pour moi, c'était rapide. Il n'y avait pas d'histoire de dosage. On a pu travailler proprement. Et surtout, ma chérie n'avait pas à se prendre la tête à faire des mélanges savants, donc c'est pas grave. On achète le jointoiement déjà fait. Ensuite, un sac de joint pour les couvertines, 30€. Ça nous amène le tout à 5 200€ pour 100 mètres carrés de parement et 27 mètres linéaires de mur. Maintenant, concernant le temps de travail, on a passé 14 journées sur le parement pierre et il a fallu 6 jours pour faire les joints. On arrive donc à 20 jours de travail total. Pour nous, ce projet s'est étalé sur 6 semaines, de fin octobre à début décembre. Voilà, on est super content du résultat. On trouve que ça apporte tout de suite un énorme cachet à cette maison qui est pourtant neuve. C'est vrai que nous, on regarde beaucoup de vidéos de rénovation et donc on voit les vieilles poutres apparentes, on voit les jolies pierres, ce genre de choses. Et donc forcément, sur une maison neuve, ça, on ne l'a pas. Et je trouve qu'on a rapporté énormément de cachet, comme je l'ai dit, avec ces pierres-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Un grand merci encore à Granier Diffusion pour cette collaboration. On vous réserve d'ailleurs une petite surprise avec Granier Diffusion pour début 2024. Donc restez bien connectés sur nos deux comptes Instagram. Encore un grand merci à ma femme pour la réalisation de ce mur parce que honnêtement, moi j'ai dû faire, je pense, 30% de pierre. Elle a fait 70%. Et concernant les joints, bah, c'est simple, elle a tout fait. Et tout ça en convalescence, donc encore chapeau à elle. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.